מדהים, עם ישראל חי. בעליות וירידות גם בשעות הכי קשה. ערב טוב, שלום וברכה, פרשת שלח לך cette semaine. Alors רבותיי, c'est une parasha qui est un tournant dans l'histoire du clan d'Israël, comme on le sait. Il y a eu malheureusement deux des plus graves fautes que les Béné Israël ont commises, qui est nul autre que le Chet Ha'Egel, et bien sûr la faute de cette parasha, le Chet des Meragelim, qui se sont permis de parler contre la terre d'Eretz Israël, et plus grave que cela, ils ont découragé tout leur âme Israël de pouvoir aller en Eretz Israël pour justement obtenir cette terre que HaKadosh Baruch Hu leur avait promise. Et donc, Rabotai, comme on l'a dit, c'est la paracha des Meragelim, des explorateurs. Mais entre nous, le mot Meragelim ne figure pas, même pas une fois dans toute la paracha. Aré, il est écrit « Shelach lecha anashim veyaturu et Eretz Kinaan » pour qu'ils puissent explorer. Mais comment on le dit ?« Veyaturu » Quelle différence y a-t-il entre des Meragelim, des explorateurs, et Tayarim, des touristes? Alors, Rabotai, on le sait, lorsqu'on va dans un nouveau pays, on vient pour, en tant que touriste, alors on va venir et avec notre caméra, on va filmer toutes les belles choses, tous les bons coins qu'il y a dans ce pays. Mais lorsqu'on vient pour explorer, en tant qu'explorateur, alors on va chercher tout ce qui dénote, tous les problèmes, toutes les choses qui ne vont pas. Et donc malheureusement, c'était ça quelque part la faute des Meragelim. On les appelle Meragelim sur le mot Meragel. Ils sont venus explorer pendant que Hachem, il a permis à Moshe justement d'envoyer des envoyés pour justement uniquement regarder, sans rentrer dans les détails, voir en grand. Et malheureusement, eux sont partis dans les détails qui encore une fois, qui n'allaient pas. Et donc ici, à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, allez, envoie. Mais comment Hachem dit à Moshe, Shelach lecha anashim? Et donc, normalement, il aurait dû lui dire, Shelach, envoie. Pourquoi il rajoute lecha pour toi? Rashi de dire les da'atra. Les da'atra veut dire pour, ça veut dire selon ta connaissance, selon ton avis. Ani, et ni metzavelecha. Mais moi, je ne t'ordonne pas d'envoyer les explorateurs, im tirtse shelach. Est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? HaKadosh Baruch Hu, il lui dit, regarde, moi, si tu me demandes conseil, ne les envoie pas. Mais si tu veux, envoie. Et donc, à partir de là, Rabotai, écoutez ce machal, il y avait une fois un malade qui avait du mal au niveau de son genou. Il a été voir son médecin et il lui dit, regardez, j'ai pas de problème, je peux marcher, mais après une demi-heure de marche, alors je ressens quelque chose, une gêne. Est-ce que vous pouvez voir exactement qu'est-ce que j'ai? Et donc, il a fait le scanner, il a regardé à droite, à gauche, il le convoque et il lui dit, regarde, ta maladie n'est pas si grave, tu pourras vivre jusqu'à 120 ans avec, mais sache que si je dois t'opérer, alors c'est une lourde opération que je ne suis pas sûr de pouvoir réussir. Tu devras rester sur le bloc opératoire pendant 6 heures. Ensuite, il y aura une longue convalescence à l'hôpital, plus 6 mois de rééducation. Et la vérité, moi à ta place, je n'aurais pas fait une opération pareille. Mais écoute, réfléchis. Lui, il entend cela. Il dit, ok, je vais aller voir le rab. Il va voir le Rav et il lui dit, Vodara, voilà ce que le médecin m'a dit, qu'est-ce que vous me conseillez? Il lui dit, écoute, moi à ta place, je ne l'aurais pas fait, mais si tu veux, fais-le. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait fait une opération pareille? C'est sûr que non. Mais qui c'est qui a choisi de faire une opération pareille? Nul autre que le plus grand parmi nous, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, lui dit, Lecha, le da'atra, et Moshe, il saute. Et il envoie les explorateurs. Et donc ici, je vous ramène juste ce qui est écrit dans Devarim. Dans Devarim, comme on le sait, c'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse à tout le Ham Israël. Et lorsqu'il est venu à faire le reproche, justement, du Chet des Meragelim,
Alors Moshe Rabbeinu, il justifie la raison pour laquelle il était quelque part obligé d'envoyer les Meragelim. Et donc, il dit Moshe, « Vatikrevun elai kulechem »« Vous vous êtes rapprochés tous devant moi »« Vatomro nishlecha nashim lefanenu » Et vous m'avez dit, « On aimerait envoyer des hommes lefanenu, devant nous » Veyarperu lanu et haaretz, pour qu'ils aillent explorer la terre. Veyashivu otanu davar, et ils vont nous ramener la chose, etc. Et donc ici, alors c'est marqué Vatikrevun elai kulechem, vous êtes tous venus devant moi. Rashi, il explique, il dit, c'est quoi vous êtes tous venus devant moi? Beir buvia, vous êtes venus avec un tel mélange, une telle cohue. Qui veut dire Yeladim dohafim et azekenim. On a vu que même les jeunes, les enfants, ils bousculaient les ekenim, les anciens. Vezekenim dohafim et arashim. Et même les anciens, ils bousculaient les chefs. Et donc, quand Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il y avait un manque de respect entre les couches, comment est-ce que des enfants peuvent bousculer des vieux, etc. Moshe Rabbeinu, il a dit, alors ça sera encore plus grave si je n'envoie pas les explorateurs parce qu'ils vont finir par s'entretuer entre eux, etc. Et donc Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il n'avait pas le choix. Le peuple était descendu au point qu'il n'allait plus écouter, justement, il n'allait plus respecter ce que les grands auraient conseillé. Et donc à partir de là, Moshe Rabbeinu, il était obligé d'envoyer ses explorateurs Ish Echad, un de chaque tribu, et donc ils étaient 12 en tout, et la vérité c'est qu'ils ont échoué à leur mission. Mais Rabotai, regardez bien, c'est vrai qu'ici c'est marqué Shelach Lecha Anashim, et Rashi nous dit c'est quoi Anashim? Anashim ce sont des gens Hashuvim. Et Rashi nous dit encore plus que ça, encore plus que cela, Beota Sha'a, à ce moment-là, Ksherim Ayu. Ils étaient Ksherim, ils étaient Kacher, c'était des Tzadikim. Et donc on pose la question, mais comment est-ce qu'ils sont descendus au point de devenir des Resha'im? Et donc le Maharal dans le Gourarié, il pose la question, il dit, mais alors justement, comment ils sont devenus des Resha'im? Alors finalement, il donne une réponse qui est magnifique. Le Maharal, comme dans son habitude, il dit qu'ils sont devenus réellement, ces chefs de tribu sont devenus les shlichim du peuple. Ils sont devenus les envoyés du peuple. Et donc, on sait qu'un envoyé, il va être influencé par l'état spirituel du peuple, de celui qui va l'envoyer. Et donc, Rabotai, regardez combien est-ce qu'une shlichut, alors elle est très grande et elle peut devenir très grave. C'est-à-dire que la shlichut, elle va en fonction de celui qui va nous envoyer. Et donc ici, ils se sont quelque part identifiés au peuple, puisque c'est le peuple qui les a envoyés. À titre personnel, ces chefs de tribu étaient des gens kshérim, mais du fait qu'ils se sont identifiés justement au peuple, et que le peuple avait des mauvaises intentions de les envoyer, alors eux aussi, ils ont été influencés par cela. Et donc, on raconte une histoire qu'il y avait une famille à l'époque du grand de la génération qui était Rabbi Akiva Iger, qui mariait leur fille, et ils étaient proches du Rav, et bien sûr, ils ont demandé à ce que le Rav vienne marier la fille, les enfants. Mais Rabbi Akiva Iger n'a pas pu venir. Et donc, il s'est excusé et il a envoyé un des grands aussi de sa génération qui s'appelait le Bet Ephraim. Et le Bet Ephraim, c'était connu, c'était un tzaddik qui ne perdait pas une seconde. Et lorsqu'il était invité à un mariage, alors il venait exactement pour la choupa et tout de suite après il rentrait et il continuait son limoud. C'est un grand matmid. Mais on voit que dans ce mariage, il a été envoyé par Rabbi Akiva Iger. On voit qu'il est arrivé avant le Hatan et la Kala. Il est resté pour la Choupa, il est resté pour tout le mariage jusqu'à la fin des Sheva Brachot. Les Talmidim m'ont dit, mais Kvod Arav, on ne vous a jamais vu rester autant de temps. Et lui de répondre, mais là c'est différent. J'ai été envoyé par le grand de la génération, par Rabbi Akiva Iger,
Alors pour moi, c'était tellement important de garder cette mission d'envoyer parce que je sais que l'influence qui est d'être envoyé par le grand de la génération est tellement grande, va m'apporter tellement que j'ai voulu justement garder cette mission le maximum de temps. Et donc, Rabotai, ce qui me pousse à dire qu'on est tous des shlichim, on est tous des envoyés, mais on est des envoyés d'Hachem. Et donc, lorsque on vient sur Terre, on doit réaliser que notre mission, elle est d'écouter notre envoyé qui est Akadosh Baruch Hu lui-même. Lorsque quelqu'un sur Terre va nous demander quoi que ce soit, une mission, etc., on doit se tourner vers celui qui vraiment nous a envoyés sur Terre, qui est Akadosh Baruch Hu, et se poser la question, au moins réfléchir et dire, est-ce que celui qui m'envoie maintenant, est-ce qu'il est bien intentionné? Est-ce que ça en vaut la peine? Etc. Tout ça pour dire qu'on se reflète en termes de celui qui nous envoie, qui est le vrai Meshaleach, qui est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, Rabotai, il y avait une fois au Beit HaMidrash, il y avait un shamash qui s'occupait du Beit HaMidrash, qui s'occupait du kollel qui se trouvait, qui s'occupait de la choule. Il était vraiment investi dans sa mission de permettre au Beit HaMidrash de bien fonctionner. Et un jour, alors il arrive au Beit HaMidrash et il est contrarié. Pourquoi il est contrarié? Parce qu'il y en a un qui est arrivé et il s'est mouché plusieurs fois, a laissé ses mouchoirs les uns empilés sur les autres. Et donc le shamash qui arrive, et bien sûr, il vient pour nettoyer, mais il se dit, mais ce n'est pas normal. Et donc il était un petit peu contrarié. Mais ce même jour, il y avait un avrer qui lui, en préparant tous les enfants, alors en sortant de chez lui, il a voulu motiver un petit peu tous les enfants. Il a préparé une tablette de chocolat dans sa poche et il s'est dit, ok, en les faisant sortir rapidement de la maison, parce que un, il doit s'habiller, un, il cherche son truc, etc. Alors, je vais leur donner à chacun une rangée de chocolat, comme ça, ils vont vite sortir. Mais dans la précipitation, alors, finalement, ils sont vite sortis et il a oublié cette tablette de chocolat dans sa poche. Il arrive au kollel et il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette tablette de chocolat? Il fait tellement chaud aujourd'hui. Si je la laisse, elle va finir par fondre. Je sais ce que je vais faire. Ce shamash, il fait tellement de bien à la choule. Alors, j'ai été et je lui ai marqué une petite note et je lui ai posé la tablette de chocolat et je lui ai dit, voilà, cette tablette, elle est pour toi et que cette journée, elle te soit douce comme cette tablette de chocolat. Quand lui, il arrive, il voit la tablette de chocolat, alors il se retourne vers l'avrer et il lui dit, tu sais quoi, tu m'as sauvé. J'allais attraper celui-là parce que finalement, j'ai recherché dans la caméra c'est qui a laissé les mouchoirs. Et en fin de compte, j'allais lui tomber dessus puisque j'ai vu c'est qui avait lâché les mouchoirs. Mais quand j'ai vu la tablette de chocolat, j'ai dit, aïe, je me trompe. De la même façon que c'est Hachem qui m'a envoyé celui-là en tant que shaliach pour m'envoyer les mouchoirs, mais c'est ce même Hachem qui m'a envoyé aussi alors cette belle tablette de chocolat pour justement me rappeler à l'ordre. Et donc, je me suis dit que finalement, je n'ai rien à dire à cette personne. C'est Akadosh Baruch Hu, le Meshaliach, c'est lui qui envoie à tout le monde ce qu'on a besoin de recevoir. Donc, Rabotai, c'est à nous de réfléchir. On est venu sur Terre en tant que mission. Celui qui nous envoie, c'est Akadosh Baruch Hu encore une fois, et on est là pour accomplir sa volonté. Et donc, je me rappelle d'un rav, d'un menahel, d'un directeur, d'un Talmud Torah, qui m'avait raconté une fois une histoire, mais extraordinaire, lorsque il y avait une maman qui avait des jumeaux, et elle a été faire les courses dans la ville, si je me rappelle bien, de Rishon LeZion, il me semble. Et donc, elle a été faire les courses avec ses deux jumeaux. Et c'était un jour où il faisait extrêmement chaud. Et donc, les enfants, ils n'en pouvaient plus. Maman, maman et tout, on n'en peut plus. Et elle les amène à la macolette. Chacun choisit sa glace. On monte dans le bus. Et à peine arrivé dans le bus, chacun commence à ouvrir sa glace pour pouvoir la manger. Et à ce moment-là, la maman, elle regarde et elle dit, aïe, ça, c'est pas la bonne ashgacha de ce qu'on a l'habitude de manger. Et c'était Chalav Nochri, le lait de Goy. Et donc, elle a dit aux enfants, Mechila et tout ça, on s'est trompé sur l'Ashgacha. S'il vous plaît, ne mangez pas cette glace, ce n'est pas notre Ashgacha.
et les enfants, mais maman, comment on va faire? Imaginez des jumeaux de bas âge qui n'en pouvaient plus, il faisait hyper chaud, ils sont déjà dans le bus, ils ont déjà la glace presque dans la bouche. Non, ne vous en faites pas, à peine on descend du bus et je vous achèterai une glace. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Ils sont descendus du bus, ils ont jeté la glace et ils sont partis acheter une autre petite glace comme ça. Au moins, ils ont mangé et voilà, ils sont rentrés à la maison. Et lorsque le papa est rentré du collège le soir, il était vers 22h. Et donc, la maman, elle raconte la journée et elle lui dit, tu sais quoi, tu peux être fier de tes enfants. Ils ont fait un kiddush Hashem. Lorsqu'on était dans le bus, dans la chaleur, ils ont accepté de ne pas manger cette glace. Et donc, vraiment, il y a de quoi les féliciter. Je leur ai acheté une petite glace. Quoi? C'est tout? Ça s'est arrêté comme ça? Il lui dit, va tout de suite me réveiller les enfants. Et il a réveillé tous les enfants. Il les a habillés et il leur a dit, on descend. Vous savez qu'en Israël, il y a des fois des makolettes qui restent tard. On va à la makolette et ils sont partis. Il a dit à sa femme, tu dresses la table, tu mets des gâteaux et je vais les emmener. Il a pris tous les enfants, il leur a acheté des glaces. Ils hésitaient, est-ce que cette glace ou cette glace? Prenez les deux. Ils sont montés à la maison et ils ont fait la fête. Et il leur a dit, les enfants, je vous ai réveillés parce que j'étais tellement fier de ce Kiddush Hashem que vous avez fait, qui est dans une situation où c'est difficile, où c'est vraiment... Presque, c'est une des choses les plus compliquées pour un enfant. Et donc, de lui enlever, juste au moment où il voulait goûter, de lui enlever la chose pour, justement, la cacheroute, ça s'appelle un grand Kiddush Hashem. Je vous félicite. C'est la raison pour laquelle vous avez reçu même deux glaces et Akadosh Baruch Hu, dans le ciel, est tellement fier de vous. Et donc, c'est comme ça que le papa, il a vécu la chose avec ses enfants. Mais lui était à des kilomètres d'imaginer qu'il y aurait une suite à cette histoire. Écoutez bien la suite. La suite, elle est que les enfants, finalement, ils appartenaient à un Talmud Torah, comme on a dit. Et le directeur de ce Talmud Torah, justement, avait choisi un jour de les amener à la plage religieuse de Rishon LeZion. Il avait pris deux quarts, il avait 60 enfants, et ils arrivent à la plage. Les enfants tout excités, on n'a pas l'école aujourd'hui, on va à la plage, ils ont préparé les maillots et ils arrivent. Et malheureusement, c'était le jour des femmes. Ah, le jour des femmes? Non, on s'est trompé. Comment on a fait pour se tromper? On a vérifié. Et il appelle un des représentants du parti chasse et il lui dit, s'il te plaît, regarde, je suis avec 60 enfants, on est au soleil, les enfants dans leur tête. Voilà, c'est un jour de plage et nous on arrive, c'est pour les femmes, est-ce qu'on peut changer le jour et tout? Il vérifie et finalement il dit, regarde, il n'y a rien à faire, c'est le jour des femmes aujourd'hui, on ne pourra pas le changer. Donc tu reprends tes enfants dans le car et tout le monde retourne au Talmud Torah. Le directeur, il se retourne vers les 60 enfants et bien sûr les 60 enfants, ils ont fait la révolte. Et donc, finalement, lui, il ne savait pas comment les calmer. Il leur a dit, ne vous en faites pas, je me rattrape, on fera même peut-être deux jours et ne vous en faites pas et ça. Et eux, ils ont dit, mais non, on ne retourne pas au Talmud Torah, on ne va pas aller étudier aujourd'hui, nous, on est venus pour s'amuser. Et donc, c'était la cohue, comme à la limite, au temps de Moshe Rabbeinu, ils sont venus béir Bouvia, comme ça. Et donc, finalement, tant bien que mal, les rabbanim qui se trouvaient là-bas, ils les ont refait monter de force dans le car. Et arrivé dans le car, alors il y a un enfant qui prend la parole. C'était un des deux jumeaux. Dans son car, il se lève et il commence à dire aux enfants, « Mais Rabotai, on n'a pas été à la plage parce qu'on a fait un Kiddush Hashem. C'était le jour des femmes et du fait que c'est interdit pour nous, c'est la raison pour laquelle on s'est empêché d'aller à la plage aujourd'hui. » Et il commence à chanter « V'taher libeinu le'ovdecha be'emet » et on a fait un Kiddush Hashem et il a commencé à les encourager et tout le car s'est mis à chanter. Le Menahel, le directeur, il voit ça et il dit, mais quoi, un enfant qui nous a sauvés? Mais pendant qu'il a vu que dans son car, on avait sauvé la situation, il appelle bien sûr le Rav qui se trouvait dans le deuxième car, où là-bas c'était la révolte. Il appelle le Rav et le Rav il lui dit, tu peux pas imaginer ce qui s'est passé. Il y a un enfant qui était le jumeau, le frère jumeau. Lui aussi, dans l'autre car, la même chose. Veta herli beinu.
et à deux enfants, ils ont sauvé la situation. Et Rabotai, écoutez cette histoire. D'où elle sort cette histoire? D'où un enfant, il a eu la force de voir le Kiddush Hashem qui a été fait, si ce n'est que le papa qui était Chacham, qui a mis l'accent, qui a mis le dagesh, lorsque ses enfants, ils avaient justement, ils avaient été mévater, ils avaient été conciliants pour la glace qu'ils n'avaient pas mangée. Alors le papa en avait fait un plat, pour eux c'est resté dans le cœur, et donc c'est ce qu'ils ont partagé avec leurs amis. Et donc Rabotai, toute cette histoire, je vous la raconte parce qu'on est tous des Shpichim, on est tous venus justement faire un Kiddush Hashem sur terre. Et lorsque on voit que la situation, des fois, elle nous dépasse, elle est difficile, on ne la comprend pas, on doit se rappeler que justement, on y arrive parce qu'on est les Shlichim d'Hashem. C'est uniquement cela qui nous permettra de continuer d'avancer sur terre. Et donc, Rabotai, comment se fait-il que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Avraham Avinu, il lui a dit « Lech lecha me'artzecha ». Et donc là-bas aussi, on dit, il aurait dû lui dire « Lech, va ». Pourquoi tu lui as dit « Lech lecha » ? Et là-bas, on traduit sous la forme positive. « Lecha, letovatra, leanatra ». Pour ton bien, Abraham. Pendant que ici, alors c'est exactement le contraire. Il lui a dit « Shelach ». Et il a rajouté le « Lecha ». Et ici, on traduit le « Lecha » par quelque chose de négatif, de péjoratif. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, je ne t'ordonne pas. Si tu as envie d'envoyer, envoie. Mais l'écha, c'est uniquement pour toi, pour ta volonté. Et donc, c'est ce que, quelque part, ce qu'on doit essayer de comprendre. Que finalement, si on est missionné par Hachem, comme dans le cas de Avraham Avinu, alors on comprend que le l'écha qui est marqué en trop, alors il vient nous enseigner que là, on est sous l'impulsion de HaKadosh Baruch Hu qui sera forcément positive. Mais finalement, Moshe Rabbeinu, lui, il a fait l'Hashem Shamaim, mais ce n'est pas Hashem qui lui a demandé de le faire. Moshe, quelque part, était obligé de protéger le Ram Israël, et c'est la raison pour laquelle, finalement, c'était quelque chose qu'on peut expliquer de négatif, puisque suite à cette faute, alors les Béné Israël sont restés 40 ans dans le désert. Normalement, ils devaient rentrer directement en Eretz Israël. Et donc là, ils sont restés 40 ans dans le désert, et ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Mais ça devrait aussi nous consoler dans le sens que si Hachem sait tout, et Hachem sait tout, et Hachem voit tout, comment se fait-il que Hachem, il ait permis, justement, lorsque Moshe, il lui a demandé d'envoyer les Meragelim, les chefs de tribu, Hachem, il aurait dû refuser, puisque Hachem, il sait très bien ce qui va se passer. Mais en fin de compte, HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il fait quelque chose qui, à nos yeux, a l'air, justement, de pas bien ou de négatif, alors il y a toujours quelque chose de bien qui en ressort. Et ici, c'est que si finalement les Béné Israël étaient rentrés directement en Eretz Israël, alors Moshe Rabbeinu, il aurait dû mourir à ce moment-là. Mais là, ils vont profiter quelque part de la Torah de Moshe Rabbeinu encore pendant les 40 ans où ils seront dans le désert. Alors bien sûr qu'ils ont commis une faute, mais derrière cette faute, il y a aussi un bien. Et cette Torah qu'on appelle Torah de Moshe, on a pu la voir, la recevoir, justement, grâce aussi à ses 40 ans dans le désert où Moshe Rabbeinu, il a pu enseigner cette Torah. Donc, Rabotai, cette paracha, c'est une paracha qui nous fait peur. Quelque part, les Talmidim avaient rencontré à l'époque le Rav Steinman Zatzal, et ils lui ont dit, Kvod Harav, vous avez l'air d'avoir peur, chose qu'on ne voit pas sur vous pendant toute l'année. Il leur dit, mais non, regardez, là on est dans les parachiotes de Bealotecha, de Shelach Lecha, de Korach. Ce sont des parachiotes où on montre, mais vraiment, du point du microscope, on arrive à agrandir et on montre ces fautes que les Béné Israël ont fait et que jusqu'à aujourd'hui on doit payer. Combien est-ce que des grands du Ram Israël, les plus grands du Ram Israël, imaginez la génération d'Or Hamidbar, la plus grande génération de tous les temps. Et les plus grands de cette génération ont fauté. Alors qu'est-ce qu'on se dit, nous? Maase avot siman abanim. Les actions de nos pères est un signe pour nous. Et donc si eux, ils ont échoué à leur niveau, à plus forte raison nous. Mais non, Rabotai, il faut réaliser que HaKadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, regarde, je vais te montrer que même les plus grands, ils peuvent fauter. À toi, justement, de faire très attention, d'apprendre la leçon et de ne pas retomber justement sur les actions
de tes pères qui ont fait flancher tout le Ham Israël. Et donc, à toi d'apprendre la leçon et de changer. Shabbat shalom les kulchem.